Le président libérien, George Weah, effectue depuis mercredi une visite officielle en Côte d'Ivoire dans le but de s'appuyer sur l'expérience de son voisin pour développer son pays. L'ancien international de football et son homologue ivoirien ont des projets bilatéraux. Les deux chefs d'État ont discuté de sécurité aux frontières, des réfugiés ivoiriens au Libéria et de relance économique. George Weah remporte la présidentielle au Libéria. Le Libéria, qui est sorti de 15 ans de crise, veut prendre exemple sur la Côte d'Ivoire pour se développer. Selon George Weah, il faut des autoroutes transfrontalières, des échanges en matière de politique agricole et l'interconnectivité de l'énergie entre les deux pays. Le président ivoirien a promis pour sa part qu'il serait en contact permanent avec son homologue libérien. Nous allons demander au ministre de faire de même, a ajouté Alassane Ouattara, et proposer au président tout l'appui nécessaire dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures notamment des routes et la fourniture d'électricité. Et, des domaines où la Côte d'Ivoire a fait des progrès importants. Weah Boakai, candidat au second tour et voisin, le président libérien doit visiter, jeudi matin, les installations de la compagnie ivoirienne de production d'électricité.